Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt Me. Vous étiez très nombreux à me demander une vidéo sur Adopt Me, donc let's go. Alors là, nous avons place à la construction, la nouvelle mise à jour. Il y a un nouveau pet et plus de 60 nouveaux objets pour décorer votre château. Alors c'est parti tout de suite, le nouveau pet, il s'agit de la licorne. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous présente la licorne, il s'agit de Léon. Coucou Léon, voici ma belle licorne. Je l'ai appelée Léon, comme ça il va être ami avec ma Bella. Peut-être qu'on va donner un nom à ce couple. On va l'appeler Bella Léon. Elle est où Bella? J'ai peur Bella, pourquoi t'es pas en favori? Voici donc ma licorne Bella. Vous la connaissez tous et toutes. C'est tout à fait normal. Sans ma licorne Bella, je ne peux pas être sur Adopt Me. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'utiliser le Star Code Mrs. Hughes si vous achetez bien sûr des Robux pour me soutenir. C'est gratuit. Alors ma licorne Bella, pourquoi je t'ai pas habillée? Attention, non, Bella sans vêtements, c'est pas possible. Vous savez tous que Bella, c'est la plus belle. Il n'y a pas plus belle que ma licorne, ma queen, Bella. Et ça y est. Oh, enfin, et vous vous demandez certainement... Attendez, je vous ai montré, je vous ai présenté le nouveau pet. Il s'agit d'une licorne de givre. On va la mettre en favori. Attends, Bella, juste une seconde. Voici donc la licorne en givre. Elle est trop belle. Et je suis derrière dans un château. Enfin... presque, parce que lorsque je sors de la maison, voilà à quoi ressemble ma maison en ce moment. C'est un château et à l'intérieur, c'est trop beau. Ce château est unique par contre. C'est pas juste magnifique, trop beau. Mais à l'intérieur, il faut le décorer ce château. Et c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de bucks. J'ai que 556 bucks. Mais voilà à quoi ressemble ce château. Enfin, futur château parce qu'il faut construire. C'est carrément ton île, ton royaume sur Adopt Me. Vous aurez déjà pensé faire ça, avoir un royaume sur Adopt Me. Voilà, vous avez l'océan, la mer, le grand pont. D'accord ? Et là, vous avez des machines pour des ascenseurs carrément pour descendre et monter. Parce que maintenant, vous pouvez, vous avez vu juste en haut, modifier la maison et je peux ajouter des choses. Alors, lorsqu'on parle de choses, ça va être un petit peu compliqué parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas assez de bucks. Mais la nouveauté se trouve, attention, hop, ici. Vous avez vu le château de montagne, vous cliquez dessus et vous avez ça pour construire. Waouh! C'est pas juste trop beau. Là, vous avez le choix. Vous pouvez construire ce que vous voulez. Hop, la tour ronde du château. Je la place ici. Un exemple. Vous avez vu comment c'est? Non, mais là, vous pouvez faire un truc immense. Après, il faut avoir des bucks. Je suis d'accord avec vous. Alors là, vous avez vraiment plus de 60. Ça, c'est le nouveau stuff pour décorer l'intérieur. Vous avez vu les nouveautés. C'est tout ça. Tout ce qu'il y a pour décorer votre château. Alors les amis, là vous savez quoi, j'ai ce nouveau pet mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il vaut. Pour ça, je vais essayer de faire une trad. Donc let's go, on sort de cette maison. Hop, voilà donc. Alors c'est parti, on va aller voir à la pet shop pour découvrir ce que vaut cette licorne de givre. Ah bah il y a du monde, je suis sur un serveur, voici donc la licorne de givre, elle est là. Je vais peut-être avoir des personnes qui vont faire des trades et essayer de... je vais peut-être monter dessus. Voilà. Pour qu'ils sachent que c'est une licorne fly et ride. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me faire une trade pour cette licorne? Attention, j'ai une demande de trade. Qu'est-ce que va me proposer cette personne contre cette licorne? C'est tout, t'es sûr, parce que c'est une légendaire. Là, c'est rarissime. Elle est fly ride et ton pet est que juste ride. Désolée. Allons voir quelqu'un d'autre dans un autre serveur. Alors, je me retrouve dans un autre serveur. Allez, viens ici, mon petit Léon. On va aller dans la pet shop ou peut-être dans le truc de cadeau. Attention, hop. On y va ici, on va voir ce que vaut cette licorne givre fly et ride. Hop, oulala, il y a des néons, d'accord. Voilà, c'est trop beau comment ils l'ont décoré. Ça veut dire que déjà, on dirait qu'elle est néon. À moitié néon.
Donc, est-ce que quelqu'un va me proposer quelque chose de cool? S'il te plaît, ne me propose pas ton pet là, pas ce dragon. Elle me donne ça, un Cerbère, un ancien dragon. C'est cool. C'est tous des légendaires, c'est pas mal. Mais j'aurais bien aimé accepter, mais je suis désolée, je vais décliner. Belle offre. Je veux un légendaire, c'est sûr. Mais quelque chose d'autre. Ah, cette personne-là aussi. Elle a licorne de givre. Je crois que ce serveur n'est pas très très connu. Allons découvrir un autre serveur. Ou pourquoi ne pas inviter des abonnés? Ils vont tous venir me rejoindre sur Adopt Me. Ça va être drôle ça aussi. Attention, j'ai une autre trad. Voyons voir ce que propose cette personne. Suspense, suspense. Allez, j'attends. Il veut que je la donne gratuitement. Non, Cerbère. Ensuite, un dodo. Le dragon doré. Non, je suis désolée. Bye. Ok les amis, c'est parti. On y va à la pet shop. Peut-être que là, on va trouver des personnes. Et vous savez quoi? Non, personne ne peut me rejoindre parce qu'il y a trop de personnes dans ce serveur. Mais je vais faire une vidéo où il y aura tout. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Tous les abonnés, c'est-à-dire vous, vous pouvez me rejoindre facilement. Il suffit de me suivre aussi sur mon compte Mrs. Paris et de vous abonner à la chaîne. Comme ça, je vous dis le jour où on va tous faire une vidéo ensemble sur Adopt Me. Alors, let's go. J'espère que là, au moins... Ouh, ça va. Il y a du monde. Eh, hey, c'est quoi ce pet? Il est beau. C'est un dragon? Je peux l'avoir avec des Robux, je crois, lui. Non. Attendez. Je vais voir ça tout de suite. Ce pet, oui, débloque le pet, il coûte 1250 Robux. Le X Capricorne. C'est vrai qu'il coûte un petit peu cher. Mais est-ce que nous avons un pet qu'on peut avoir? Il y a plein de pets que j'ai pas, c'est des tout nouveaux. Le Co. Regardez, hop, princesse veut trop la vache néon. Est-ce que je peux l'avoir? Ok. Vous avez soit cette personne, est-ce qu'elle peut me donner sa vache tout simplement? Non, elle est encore en train de faire trad. Je veux une vache pour faire une néon. Il m'en manque deux, je crois. Donc, est-ce possible? Ah, il y a déjà une personne qui a un pet. Bon, je crois que c'est pas vraiment très demandé. Pourtant, c'est une licorne. Elle ressemble à une licorne golden. Mais là... C'est pas une licorne méga néon. Mais en tout cas, elle est très très belle. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me proposer quelque chose? Je lui ai envoyé la trad et je veux qu'il me donne quelque chose. Il va me donner quoi? Oh, j'ai déjà ça. J'ai déjà ce pet. Il me donne ça plus ça pour que je valide. Mais non, en fait. Non, je peux pas. Je crois que personne ne peut. Attendez, il y a une autre personne qui fait une trad. Qu'est-ce que me propose cette personne? Un œuf australien. Bon, vous savez quoi les amis? Je vais discuter un petit peu avec les abonnés. Ça faisait longtemps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Allez, venez, 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 on se parle, on discute.